faire ses courses près de chez soi, un soulagement pour les habitants du quartier. Le supermarché du boulevard de la Paix accueille à nouveau ses clients après 6 mois de fermeture forcée. Je visite, je suis un petit peu perdue, mais je suis tellement contente de retrouver notre supermarché du coin. Parce qu'aller sur Billière, c'était pas évident. On était bien embêtés que Intermarché ne soit plus ouvert. Voilà, parce qu'on était obligé d'aller à celui de Cercasté, donc voilà. Ça fait 6 mois qu'on était vraiment coincés dans le quartier, parce qu'on est dans le quartier. On était emmerdés, complètement emmerdés. Là, ça fait plaisir de voir l'Intermarché qui vient de s'ouvrir. Ils en ont profité pour réorganiser, mettre plus clair, plus propre, plus aéré. Ça va faire du bien, il y en avait besoin. Le 1er mars dernier, un cambrioleur mettait le feu, laissant derrière lui 3 millions d'euros de dégâts. 6 mois d'attente, des travaux interrompus par le confinement et la quarantaine de salariés au chômage technique. Aujourd'hui, le magasin est entièrement rénové, les employés à nouveau à leur poste. On a été vraiment soulagés. Là, c'est un plaisir de travailler. Donc, tous les collègues, là, on se donne à fond pour que le magasin remarche. Ils étaient au chômage pendant toute cette période. Et bon, ils avaient hâte de reprendre hein, parce qu'ils ont des familles et voilà, c'était quand même une période très compliquée. Donc ils sont après revenus avec nous pour nous aider à réimplanter le magasin. L'incendiaire a été condamné à 3 ans de prison ferme. Cet épisode restera un mauvais souvenir pour le magasin et ses clients.